aucune fosse n'est digne de ce nom sans un Freeman qui en ressort. Attention, de l'autre côté du gouffre. Cet énorme appareil répulsif va mettre fin aux incessantes attaques de fourmilions. Si le Freeman est d'accord, mettons-nous en quête de ce refuge. Un appareil vibratoire. Un repos éternel. Voilà qui procure de paisibles pensées, n'est-ce pas ? Il se trouve près des jeunes. Le vent qui vient d'en bas émane un parfum d'extrait. Ce
que nous recherchons se trouve au fond de cette fosse. Ce puits rejoint la salle ci-dessus, où les miens maintiennent l'Alix Vance en vie. Une fois qu'on aura l'extrait, nous les rejoindrons rapidement, du moins si l'on parvient à réparer l'ascenseur. Mais comment allons-nous descendre ? Quel courage, Freeman ! Quand vous atteindrez la salle inférieure, trouvez un moyen de me faire venir. N'oubliez pas ! Ne tuez pas le gardien, sinon l'extrait serait gâté. Thank you.
Juste, niveau de toxine en augmentation. Je sens le Freeman en bas. Activez l'ascenseur, que l'on se retrouve. Je descends. Attendez un instant, Freeman, que nous continuons ensemble. Se répand. Suivez-moi, Freeman, pendant que je retrouve la source. Vous avez fait le plus gros du travail en ouvrant l'accès à cette salle. Vraiment, la vie de la licence est entre des mains expertes. Une abondance d'extraits larvaires. Cela ne devrait prendre qu'un moment. Des sécrétions de la meilleure qualité. Retournons auprès de Alex Vance. Certains traits que l'on croyait exclusivement en Porto. L'élevage de fourmilions était autrefois une pratique courante pour nous. Il s'exude de ces créatures bien des composants précieux, mais c'est l'extrait qui est de loin le plus prisé. Il dissout les faux voiles qui divisent la porte essence. Vous verrez tout cela quand... Si nous la perdons, nous perdons tout. Regardez l'extrait. Sécrétion miraculeuse. Dépêchez-vous. Rejoignez-nous pendant que nous absorbons l'extrait. Oui. Il nous faut un humain. D'accord. Rejoignez-nous, Freeman. Mmh.
Nous lions la vie du Freeman avec la sienne. Oui, il y a une excitation. Presque mortelle, ce lien entre vous. Freeman, je sais bien que ce moment n'est pas vraiment propice à une discussion sincère, mais je devais attendre que vos amis soient occupés à autre chose. Il fut un temps où ils ne se souciaient pas de Mademoiselle Vance, où leur seul contact avec l'humanité était un pied de biche s'approchant vers eux du fond d'un couloir d'acier. Lorsque je l'ai arraché de Black Mesa, j'ai dû aller à l'encontre de ceux qui la considéraient comme une enfant et disaient qu'elle ne serait d'aucune utilité. J'ai appris à ignorer ses opposants systématiques lorsqu'il était hors de question de les arrêter. Pourtant, je n'ai pas pour habitude de gaspiller mes investissements. Et je reste certain qu'elle vaut bien plus que ma première évaluation. C'est pourquoi je dois maintenant exiger de vous une petite contrepartie en échange de votre survie. Accompagnez-la jusqu'à White Forest, Dr. Freeman. Je voudrais pouvoir faire plus que simplement vous surveiller, mais j'ai accepté de me soumettre à certaines restrictions. Eh bien, maintenant, écoutez-moi bien, ma chère. Lorsque vous verrez votre père, transmettez-lui ces mots. Préparez-vous à des conséquences imprévues. Elle bouge. Sa forme vortale a retrouvé son intégrité. Nous venons d'éviter une perte incommensurable. Ah, mon Dieu! Allongez-vous. Oh. Oh mon Dieu. J'ai cru... J'ai bien cru mourir. Un chasseur du cartel vous a blessé gravement. Un chasseur... C'était donc ça. Nous avons ressouté les os broyés et restauré son circuit sanguin. Toutefois, c'est le Freeman qui a récupéré votre vortessence. Oui, c'est Gordon. Ça fait combien de temps ? Quelques heures. Des heures ? Oh. Il faut y aller. Une minute de plus. Mais... Il faut se rendre à White Forest. C'est crucial. Soyez sans crainte. Nous vous mettrons sur la bonne voie. Maintenant, essayez de vous lever doucement. Waouh ! Quoi que vous ayez fait... Je crois que j'ai de la chance d'être encore là. Venez alors. Je vous indique la direction de White Forest. Allez, Gordon, nous près de moi. Nous allons continuer de chasser les conseillers. Adieu. Soyez prudents. Bon voyage. Bonne chance pour là-bas. Ok, Freeman. Soyez à la hauteur. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, je sais pas. C'est la façon de parler des mortes. Je peux marcher seul à présent. Attendez, j'essaie. Ouais. C'est un peu raide. Ça va aller. Thank you.
Waouh ! C'était un gardien. Quelqu'un a dû faire quelque chose qui l'a énervé. Le gardien est furieux car nous avons volé l'extrait. S'il entrave notre progression, nous devrons le tuer. Vous avez touché à ses œufs ? Oh, pas étonnant alors. Vers le nord avec force en train. Le nord ? White Forest ! Il faut arriver avant eux. Je connais des humains ayant un véhicule non loin d'ici. Ils comprendront l'urgence de notre requête. Qu'est-ce qu'on attend ? Merci, Gordon. Étrange. Les patrouilles auraient dû nous détecter à présent. Le cartel les aurait trouvés ? Une telle théorie est à peine exagérée.
mon Dieu. Le cartel les a pas loupés. Mais ils ne s'en sont pas sortis non plus. Les crabes de tête ont fait du tort aux deux groupes. Hé, hey, regardez! Sur le pont! Je vois la voiture dont vous parliez. On dirait qu'ils ont essayé de s'enfuir, mais ne sont allés plus loin que l'abysse. Ah, s'ils l'ont fait passer de ce côté-là, on peut bien la faire sauter de ce côté-ci. Nous recommandons le Freeman pour cette tâche. Hé, hey, je me sens bien mieux, moi. Cette condition ne durera pas si vous plongez dans les toxines en dessous. Nous ferions bien de lui assurer une protection d'ici, pendant que le Freeman se frotte au danger de la fosse. Cette arme, par exemple, se révélera fort utile. L'arme est déchargée. Allez, Freeman. Je prendrai soin de l'Alix Vance. Ok, Gordon. Notre sort est entre vos mains. Bon, je vais désactiver ce champ. Bonne chance, Gordon. Soyez prudent.